Coucou les amis, so today we are in London, aka my favorite city ever. On est ici avec le professeur Van de Noot pour le voyage Come and Law in Motion, donc je vous montre ça. Le premier arrêt c'est le Breakfast Club pour manger un bon English breakfast. T'as lu combien de PV toi? Moi depuis le début de l'année j'ai lu tous les PV, c'est pour ça que... Mais qui en ont c'est pour ça que à chaque réunion je me permets de voter comme je les ai approuvés parce que je les ai lus. Ok. Alors mes forces on n'est pas ensemble. On est arrivé à Bath. C'est trop shopping. Alors nous sommes à l'auberge, je fais un petit room tour. Une petite chambre de 4. Ici on a Lina dans son petit coin lecture. Voilà, on a une petite vue sur le jardin. Sympathique. Je sais pas. On a troisième en plus à ma droite. C'est la naissance de Jésus. Mm-hmm. C'est là, tu vois, c'est là, tu l'auras jamais, sale. Tu vois, ça, c'est pas pour les gens comme toi. En plus, tu vois, elle fait genre qu'elle est hyper intéressée, tu sais. Alors ah ouais, c'était combien? Beaucoup plus cher. Ah ouais, ouais. C'est combien? Ça, c'est plus que 50. Fifth, ouais. C'est combien? 70 pounds. Wow. Mais t'es pas très loin. Bah ouais. Et ça va jusqu'à 100, ou je pense qu'elle a dit 200. Les assiettes? Mec, elle a dit de tout ici, c'est from 50 to 100 and something. 100 and something. Il y a la fatigue qui commence à nous rattraper. On a trouvé un chouette petit. Enfin, petit. Un magasin de livres. Il est trop choupi. Puis on va aller manger. On sait pas encore quoi. Daddy Pig and Daddy Rabbit are watching a rugby match on television. Come on, white team, shouts Daddy Pig. On a décidé de manger des sushis. Puis on va prendre une glace. On est jour 2, on est toujours à Bath. Finalement, hier, on était épuisés, moi et Lina, donc on s'est endormis à genre 22h. Là, il est 9h. Je sais pas ce qu'on va faire, parce qu'on attend libre jusqu'à 12h30. Il y a soit les bains romains, soit le Jane Austen Center. Parce que, fun fact, Jane Austen, elle vivait à Bath. Et vu que j'aime bien orgueil et préjugé, bah, j'hésite un peu, donc je verrai. And I would like to start everyone's visit with a little introductory talk about Jane's life and family. Oh, mais tu sais que tu shakes de fou. Oh. Follow me. Vas-y, Lina, tu mets comment, toi? Moi, je mets My love for you is breaking my heart. Attends, c'est quoi? Ouais. My love for you is breaking my heart. Oh. Wow. Non, attends, non. Il réagit pas trop. Non, non, il va avoir c'est too much, c'est too much, c'est too much. Je vais follow me. Ouf. Elle veut, elle veut, elle veut. Est-ce que ça fait un peu... Oui, c'est bien écrit. Ok, merci. Et ici, monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des grosses taches. Non, mais non. Mais tu vois, moi, je recevais une lettre comme ça de ta part, je l'ai écrabouillée et je l'ai jetée parce que c'est pas possible. Je suis désolée, applique-toi un minimum. Attends, mais c'est un brouillon, là, faut. Mais en même temps, ils n'avaient rien à faire de leur journée, sinon, ils étaient juste privilégiés. Nous sommes arrivés à Wells. Nous sommes ici pour le couronnement du nouveau High Sheriff. Regardez, waouh! J'entends rien.
très Harry Potter vibes. Ça pue parce qu'on dirait vraiment qu'ils se sont rappelés de last minute et ils ont rajouté des petites chaises. Non, on voit rien. Moi je vois rien. Non, moi je vois rien. Franchement, c'était long, ta mère. T'as retrouvé mes lunettes? Incroyable. J'ai pas trouvé mes lunettes. C'était chouette, non? Ouais. Du coup, maintenant, on a un peu de temps libre. Et moi, je décide de le passer avec lui. Je peux rester avec toi, le mémé? Je peux te caresser encore un peu? Non? Et on est arrivé à l'auberge. Si vous pensiez que la chambre tiers était nulle. Regardez ça. Je peux te parler alors que je suis bloquée. Ouais, tu peux. On a finalement trouvé un endroit pour manger. C'est un truc jamaïcain. La déco est bien marrante. Et j'ai pris un jerk chicken. Miami miamou. Miami miamou. Ouais, on va faire un petit taste test avec vous. C'est bien grillé. Quelle grâce. C'est bon. Je vais goûter la crème aussi un peu. Je suis gourmand. Ah, thank you. Wouhou. On a acheté des petits trucs. On va faire un taste test. Juste, on vient de remarquer. On voit pas en fait, non. Attends. Ah, si, la main. Non. Oh. Oh, ça fait peur. Oh my god. Regarde, en plus, c'est hyper haut. Genre, ça fait quoi là? Raisins. Un, deux, un. Ils ont un goût mais le chocolat, il est un peu moins bon, je trouve. Ouais. Il a un peu le goût du renfermé, genre. Comme cette chambre. C'est le beurre lifetime. Anyway, ça n'a rien de spécial. Ouais, vaut mieux acheter les normaux. Mais au moins, c'est en petit format. Parce que les autres, genre, c'est des big trucs. Tu ne sais jamais le finir. Moi, t'inquiète, je vais le finir. C'est vraiment médicin, vraiment. Une 7 sur 20. Toi, tu veux me goûter le Kit Kat ou pas? T'es sûre de toi? C'est quoi là? On fait la dégustation et quand on arrive au... Oh putain, mais il y a tellement différents moods. Il y en a un vrai, c'est les bourrés. Les autres... Il y en a une. Une, elle est malade. L'autre, elle dort, elle en peut plus parce que ça pue. Faut mieux rire qu'en pleurer. Spectus. Là. C'est bon. Tu goûtes vraiment le. Ouais. Spectus. C'est très écœurant. C'est très bon. C'est fort sucré. Mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Moi, j'aime bien. You got ta gum. C'est pas lui. Mais pourquoi t'as réagi 10 000 ans plus tard? Je réfléchis, ça, ça me mène. C'est comme ça. Ton... Bon putain, mais on va pas avancer. On a dit qu'on allait arrêter à chaque truc. Allez, on arrête. Coucou les gars, aujourd'hui on est le troisième jour. Le prof nous a divisé en deux groupes. Ok, du coup ce qui s'est passé, c'est que le prof nous a divisé en deux groupes. De base, Lana et Luna ne devaient pas être avec nous, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une meuf qui a commencé à être là, genre « Oh, j'aimerais changer, nanana !» Et du coup, elles sont avec nous. Oui. Et du coup, voilà, donc là, je sais pas trop. Je vais raconter, je pense, c'est hyper normal. Attendez, moi, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Alors, il y a une gentille dame... Vous noterez comment j'ai descendu la caméra pour être à hauteur de Luna, mais passons. Bref, anyway, toutes les occasions qu'il a pour prouver qu'il est plus grand que nous, il les prend. Ok, bref, je disais... Et puis, vas-y, non. Bref. Vous pourrez voir que ça a beaucoup saoulé Lina. Mais non, mais ça m'a pas saoulé. Non, bah, de la place pour la journée, juste pour bitcher là. Ouais. Non, mais t'as vu le duo là comme si je voulais bitcher, j'aurais bitché. Ah non, moi bitch. Je bitche, j'en ai rien à foutre. Okay. On n'est pas ensemble. Moi je voulais pas bitcher, c'est juste pour dire en gros que. J'ai été. Et en plus, ils le disent pas clairement. Genre, non, attends, ils le disent pas clairement.
Ça fait 1 minute 30 qu'elle rêve. On a fini de bruncher et maintenant on a peut-être une audience avec un juge pour lui poser nos petites questions. Donc on est devant le Exeter Law Court. On a fini avec le juge, c'est très intéressant, très divertissant. Et maintenant on va visiter le Guild Hall. Mais j'en ai pas assez quoi parce que le prof il ne s'agit pas du tout. Maintenant, c'est l'heure du afternoon tea. Alors, les vrais anglais, ils mettent bien évidemment du lait dans leur thé. C'est ce qu'on fait. Oula, moi j'ai mis une flash et tout. Les gars, maintenant on est à un pub qui s'appelle Black Horse, le repas. Moi j'ai pris la fish and chips. Même si c'est un peu compliqué là, je sais pas, je suis aigrie. Les gars, regardez la taille du poisson. Pourquoi c'est une dinguerie? Il a mis sur les frites. Il n'a pas respecté. Ils les ont cuits. Mais regardez, il n'y a personne qui me respecte. Regardez, genre, il fallait se mettre hyper haut. Et je suis la seule ici qui n'arrive pas à attendre. Ah ouais. Ouais, super. Oh. Coucou les amis, on est jour 3. Aujourd'hui, on va assister à des audiences à la Exeter Crown Court. Et ensuite, on prend le car. Il y en a 4h30 de, 4h30, ouais, de trajet jusqu'à Londres. Mais j'ai trop hâte d'être à Londres. Je vous montre ça. On a fini l'audience. Les gars, c'était horrible. Enfin, c'était un cas d'un viol. Et là-bas, il n'y a pas vraiment des témoignages, c'est enregistré. Et puis, ils mettent la vidéo dans la salle d'audience. Et on voyait donc le récit de la fille qui s'est fait violer. Et puis, quand elle s'est fait interviewer par l'avocat de la partie adverse, il la détruisait. Genre, oui, mais si c'était consentant parce que tchic-tchac, oui, mais techniquement, la porte d'entrée n'était pas fermée à clé, donc tu aurais pu partir. Et elle était là, non, mais je vous jure. Oh, les gars, je suis franchement, les viols, moi, je fais pas. Ça m'a trop mis dans le mal, là. Cucu, maintenant on est dans le bus et on va de Exeter à London. C'est 4h30, les gars. Nous sommes arrivés à Bonport devant notre award winning hostel, mais on y croit moyen. Les gars, regardez. Ensemble, on tient même pas tous. On est à 15 ici. Non, mais les gars, on était dans notre chambre. Oui, c'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Maintenant, nous sommes prêts à sortir. Nous allons manger chez Nando's. Ouais, les gars. J'ai enfin mon Nando's. Les gars, il reste pas une miette. Eux aussi, de ce côté, ils ont bien aimé. Comme d'hab, c'est un 10 sur 10. C'est bien, elle a raison. Vraiment, merci Lana pour tout. Lana, merci. C'est comme ça qu'on fait. J'aime, non. Clap, clap, clap. T'as un problème. Clap, clap, clap. Je fais un petit chouchou. Vas-y.
sommes le dernier jour. Aujourd'hui, on va d'abord au Lincoln's Inn, ensuite à la Cour suprême, et puis je sais pas. Mais je pense à ça. Ok, yeah, maintenant on est à la Royal Court of Justice. Ok, ok, I will. On a fini les audiences, c'était boring. Là, je suis partie faire la petite livreuse, parce qu'il y a tout le monde qui m'a demandé Krispy Kreme. C'est ça que t'as fait. Ouais, du coup, bah, là, on s'est vite fait pour manger, puis on va à la Cour suprême. Même si j'ai pas envie. Là, on a les LLM, ceux qui ont leur petit master. Il y en a, nous, on n'est pas conviés pour la photo. On est les puants du groupe. Voilà. Du coup, on s'improvise nos propres chouchouchings. Regardez-moi, ciao. Il y en a tous les membres du board. Lana, voici, c'était la step 1 du plan d'Elsa pour dominer le monde. Dominer cette ULB. Combien sur 10 la Cour suprême? 6, c'est mid. Ah! Je suis ici pour les rebelles, les rassemblés. Il est pas drôle. Chaque phrase qui sort, il flop. Allô papy, mais qu'est pas ça. J'entends des bails atroces sur moi. À ce qui paraît. Et je te mets dans la même catégorie de ceux qui prennent un ukulélé qui commence. Zumba café. Nous voilà dans le horizon. T'as quoi à dire du coup pour ce trajet? Parce qu'il faut rappeler quand même que t'es toute seule. Non, je suis avec Sven. Ah. Bah, j'apprends un peu plus que Sven, elle aime bien parler. Mais j'ai préparé mon casque comme ça, elle voit que. Ah là, il est bien là. Que on va pas parler en fait. Voilà. Comme ça, ça fait. On ne parle pas avec WAM. Voilà, bisous. Ok, les gars, du coup, dans une heure, on arrive à Bruxelles. Merci à vous d'avoir regardé mon vlog. J'espère qu'il était divertissant. En tout cas, j'ai passé des chouettes moments, même si voilà, niveau organisation ça pouvait être mieux, niveau logement ça pouvait être mieux, ah ouais, niveau nourriture ça pouvait être mieux. Ah ouais. Mais, du coup, c'est quoi qui était chouette? Le plus important, c'est les gens avec qui on est, et moi je me suis vraiment bien amusée. Du coup, voilà, bisous. Je suis saoulée, j'en peux plus. C'est à peine le début. On a rien à foutre.